Bonsoir, il est 20h, bienvenue sur le journal de Canal Fi. Tout d'abord, des nouvelles de notre auguste leader. Après une nuit sans problème particulier, notre bien-aimé Jean-Luc a pris un solide petit déjeuner. La journée qui suivit fut égale aux précédentes, pertinente, efficace, moderne et lumineuse. International, au Venezuela, tout va plutôt bien, rien de particulier, les gens sont contents, on ne va pas y passer des heures. Corée du Nord, pareil. Économie, vivement 2022, et puis un dossier de fond développé par la rédaction. Pourquoi les 17 députés de la France insoumise sont-ils tous aussi brillants? C'est la question qu'il semble légitime de se poser après ces quelques mois de débats parlementaires. Alors, parcours, formation, influence, nous vous dirons tout sur ces Robins des Bois de la République. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, les pages histoire, diététique et culture, Staline, n'a-t-on pas un peu grossi de traits? Quinoa, saveur et perspective révolutionnaire? Et l'air du peuple ne mérite-t-il pas le prix Goncourt? Et pour finir notre débat du soir, nous inviterons Jean-Luc et Mélenchon qui débattra sur l'importance du pluralisme et de la diversité des points de vue dans la politique française. C'est ironique, mais vivement janvier 2018, effectivement. Mais cette vidéo est de l'humour, parce que Jean-Luc Mélenchon n'est pas là. Hein. Voilà. On va lui poser la question. Est-ce que Jean-Luc est dans la salle? Ah, voilà, il est caché sous un bureau. Je ne crois pas. Pas voilà. Jean-Luc dans l'oreillette. Pas de Jean-Luc par ici, pas de Jean-Luc, Jean-Luc par là. N'est pas là. Ce média n'est donc pas le média de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, la réponse est claire, nette et précise, c'est dit. Voilà. Voilà. Pas non plus le média de Staline, hein, pour revenir brièvement sur la vidéo. C'est pas de ça dont on va parler ici, dans ce média, voilà, qu'on... On va hop tout de suite s'affranchir de ça. Non, c'est pas la France insoumise, c'est pas, on va pas être là pour parler de tout ce que vous avez vu dans le média. C'est de l'humour. Voilà. Comme nous d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Camille et Justine, enchantée. On va passer la soirée avec vous. Voilà. Et on est vidéaste et on fait des vidéos d'humour sur les internets, sur les internets, sur le web, voilà. Quel que soit votre langage, votre âge. Le principe ici, c'est qu'on va passer une soirée avec vous, entourée des vraies personnes qui font ce média là, qui sont avec leurs petites mains. Voilà. Les petites mains. On vous présente l'artisanat, voilà. Les petites mains, voilà, tout le monde. Mains, voilà, tout le monde. On est sur un petit plateau qui vont travailler. On n'est pas au JT de Jean-Pierre Pernaut avec parler des Santons de Provence. Non, on est ici. On va parler de ce média, de comment on va le construire ensemble avec vous, avec toi qui me regardes là, avec tes petits yeux chez toi. Coucou toi, tu vas pouvoir nous aider à faire ce média. C'est le principe. Des vrais gens, de l'artisanat, mais ça ne nous empêchera pas de proposer de la qualité, de l'originalité. Surtout, parce que c'est ça, voilà, qu'on attend le plus. La transparence, qualité, originalité, c'est les trois mots phares de ce média. C'est vraiment hyper important pour nous de le rappeler, donc voilà.